Mais non, c'était pour le fait que tu as confondu une salopette avec un maillot de bain. Mais faut faire des blagues compréhensibles qui, oui. Tout le monde a déserté, vous avez eu peur de Stardew ou quoi? Que Kiwi qui s'est dit dans le cou, j'ai Stardew! Une jupette. On rappelle que nous sommes. Mais une jupette courte quand même, on est sur la playa. Hein. Vamos a la playa, me gusta. Bah, et là, non, je veux pas être une femme à barbe, hein, c'est cool, mais. Oh, voilà, un petit rouge à lèvres, c'est mignon! L'eau du centre communautaire, je veux bien qu'on fasse remixer. Garantie année 1 achevée. Assure que le marchand ambulant vend une graine de chou rouge pendant la première année. Ah bon? Récompense minière remixée aussi. Donc du coup, maintenant, on peut avoir des monstres pendant la nuit sur la ferme. Ça, c'est trop cool. Ça aussi, c'est nouveau. Marge de profit normale. Je crois que ça n'était pas ça non plus. Et options multiples. Pour l'instant, on va faire une. Comment ça s'appelle? Une partie solo. Et du coup, maintenant, on peut faire de la coop même en local. En écran splitté. Il a mis ça en place. Bon, alors du coup, on l'appelle comment cette ferme? Twitch? On peut l'appeler Twitch. Ça peut être sympa. Qu'en pensez? Twitch. Twitch, Twitch, Twitch. 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 On peut faire la ferme Twitch. La ferme Twitch. C'est un peu tuche, mais. Michel. Je m'emballe là, je m'emballe. Twitch. Let's go! Fait trop longtemps que j'ai pas joué, c'est trop cool! Qu'est-ce que j'ai pu streamer ce jeu? Ah merde, QWERTY, c'est mort! La ferme Twitch! Juste que je me souvienne des boutons, ce sera ok. Vous me dites, niveau son, ça gueule pas un peu chez vous? Faites de paner! Ça vous gueule dans les oreilles là. Un peu fort. Un peu fort, on entend plus trop ce que tu dis, mais it's ok, hein. Alors attends. Encore un peu, hein. Ta gueule, hein. Incroyable. Clair et ensoleillé le temps. T'as pas. Calmons-nous. Sur le son. Calmons-nous. Voilà, c'est mieux là, non? Vous arrivez à réfléchir dans votre cerveau, c'est ok? Je pense pas j'irai à la mine, mais bon. Ouais. C'est le frisson de bonne humeur. De toute façon, je pense pas que j'irai à la mine. Eh mais ça y était pas? Ou alors c'est quand tu skippais le tuto? Coucou tes lacs, comment tu vas? Purée, je suis perdue du coup. Ah, purée, on a le. La mer là, on doit pouvoir pêcher, ça va être incroyable ça. C'est pour le chien. Oui, ça va, merci beaucoup. Comment ça va les vacances? Bon, j'annonce, vous allez bouffer du Stardew Valley jusqu'à la fin des temps. Et subir ça. J'espère que vous aimez bien. Sinon, vous êtes dans la merde. Ouais, ça va, tranquille les vacances. C'est bien. Le menu de Noël finalement se précise ou tu t'en préoccupes pas du tout? Coucou Groot, comment tu vas? As-tu passé une bonne journée? Non, je vois pas de quoi tu parles, t'es là.
Ouais, j'ai changé parce que Stardew a sorti une mise à jour non attendue. Et donc du coup, comme je suis un peu une dingo de Stardew, mais que j'avais un peu arrêté, et que là c'est genre la plus grosse mise à jour qu'il a sortie depuis qu'il a créé le jeu, je me suis dit je peux pas louper ça quoi. Donc du coup, let's go Stardew. Après on reste dans le thème quand même du jeu indé. Donc d'un côté c'est cool. C'est aussi pour ça que j'ai changé, sinon j'aurais pas changé de programme. On est toujours dans le thème du jeu indé, parce que Stardew, ne l'oublions pas, est l'œuvre d'un seul homme. Mais Noël, c'est mon frère qui gère, pas moi. C'est bien aussi de se laisser porter hein, dans la vie. On va quand même aller en ville, parce que du coup là, on essaie de rendre propre notre... Par contre, vous m'expliquerez pourquoi mon énergie ne descend pas? J'ai fait un cheat code? Incroyable. Donc du coup, il faut que je me remette dedans, parce que ça fait quand même peut-être un an que j'avais pas relancé le jeu. Pour savoir, donc du coup, j'ai une partie sur le PC, une partie sur la Switch, mais la Switch, c'est très chiant, parce qu'il y a toujours 10 000 ans d'écart entre le PC et les consoles pour les mises à jour. Il y a même eu plusieurs années pour avoir la traduction française. Donc du coup, j'ai fini par acheter le jeu sur PC, parce que ça me saoulait. La faute n'enlève pas d'énergie, c'est vrai que oui, j'avais oublié ça, tu vois. Et en effet, Groot, je fais du jardinage. Est-ce que vous entendez l'homme à côté qui hurle? Ça va? Ouais, je jardine. Puis, faut pas oublier l'anniversaire dimanche de Lewis. Faudra pas oublier. C'est nouveau, ça? C'est quoi, ça? C'était pas ça? C'est vrai que ça fait un an, j'ai peut-être trompé d'autres mages, hein. Mais bonjour, Gus! Est-ce que j'ai la quête, justement, où il faut que je leur parle à tous? C'est ça, planter, récolter, empanner et présentation. C'est exactement ça, ok. Oui, on l'a un peu entendu. Enfin, je le fâche. Donc, du coup, vraiment, Kiwi, tu y joues? À Stardew? Vous avez vu qu'il y a les soldes Steam, les chouchous, hein? Donc, les graines de panais, j'ai... Donc, du coup, ok, on va parler à tout le monde. Faire ce peu. Avoir une vraie discussion. Ah ouais, mais c'est trop cool! Mais vraiment pas beaucoup, j'ai recommencé tout des. Ah non, mais moi, en vrai, je suis une dingue de jeu de gestion. J'adore. Mes couilles sur ton nez, t'auras l'air d'un dindon. Bah alors, Mitch! Coucou! Et je suis vraiment une ouf de jeu de gestion. Je voudrais te parler. C'est honteux! Je sais pas si du coup ça va compter, je me souviens plus. Et du coup, Stardew, j'ai passé des heures infinies, quoi. Rapide la route avec le couvre-feu. Ah bah écoute, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Du coup, ça me fait grave plaisir de pouvoir restreamer... À quelle heure, 11h20. Pouvoir restreamer un peu de Stardew. Je vais aller m'occuper après de la ferme. Je fais un petit tour rapide histoire de parler un peu aux gens. Oui, c'est normal, c'est parce que c'est un jeu indé, c'est la soirée Indie Night Fever, Mitch. Merci. J'ai juste changé de jeu, mais je reste sur la soirée jeu indé. Je dirais pas, mais Stardew, c'est un jeu indé. Mitch, il va dire aussi, ça se voit, hein. Salut, on est chez Amazon. Travail dur là, hein. Je le sens. Tu veux pas taper la Cosette? Non, elle est pas cool elle. Non, je veux surtout pas faire prospérer Joja, moi je suis anti. Ah cool, venez. Je peux parler à tout le monde. À Pam. Alors Pam, elle, le cliché de la personne à qui tu veux jamais parler quoi. Elle est horrible celle-là. Si ça se voit. Comment ça? Je vois pas de quoi tu parles. Il est très beau ce jeu. Et si ça se trouve, je vais tellement kiffer que du coup, vous allez bouffer du jeu de gestion jusqu'à la fin de votre vie. Et même peut-être au-delà. Oh là là, je fonds dans l'herbe de Stardew.
Houston, we have a problem. Attendez, je vais ajuster mon filtre. Je me fous. Filtre. Michel, je te dis filtre sur la webcam. Merci. Je pense que corps. Ça picote encore un peu. Je pense que là c'est ok. Ça a l'air d'être drogué là. Le croûte. Je fais juste mon petit. Oh, elle prend des photos. Elle prenait des photos. Pourquoi je me souviens pas de ça? Et t'as vu donc le. Alors, Kiwi, ce que je t'ai linké, c'est qu'une toute petite partie des mages de Stardew. Après, tu as l'accès au changelog où t'as une liste qui est immense de modifications. Après, là, je vous ai mis la liste entre guillemets sans spoilers. Parce qu'après, il y a des gens qui aiment bien découvrir au fur et à mesure de l'histoire les changements. Et voilà. Donc, il faut que je plante un panier. Et alors, du coup, il disait qu'on ne pouvait pas mettre les arroseurs dans la terre sablonneuse. Mais on est OK que tout est sablonneux, du coup, vu que je suis sur la plage. This is the end, quoi. Ça va être la merde, hein, j'annonce. Hein. Oui, tout à fait. Il y a également plein de mods. Alors moi, j'en ai jamais fait. J'ai pas suffisamment joué, mais je connais des gens qui jouaient encore plus que moi. Là que moi, je trouve que je jouais beaucoup. Et qui ont installé plein de mods différents. Mais après, le problème, c'est que des fois, c'est un peu buggé. Donc il faut faire attention à ce que tu mets comme mod. Mais en effet, tu peux mettre des mods. Dac, pas de soucis, Mitch. Repose-toi bien, surtout. Hein. Et bon app, du coup. Il est 15h40. Elle est pas assez... Ah, si. J'ai eu un doute sur l'efficacité de ma... de ma hache. C'est ok. Et mais du coup, si je peux pas mettre de gicleur, on fait comment? C'est la meuf, tu sais. On a un nouveau truc pour pouvoir arroser du coup dans le sable ou en gros, il sous-entend qu'on va devoir tout... tout faire... seul. On verra bien. Cool déjà. Ah ouais, dit... attends. Direct. J'ai pas de truc. Ouais, faut que je me remette dans l'état d'esprit. J'ai aucune info, j'ai rien. Je sais plus tout ça. Comment on débloque? Est-ce que je l'ai peut-être déjà? Attends. Le coffre. Il me faut 50 de bois. Parce que là, il faut que je fasse de toute urgence un coffre, en réalité. Je vais tout de suite être emmerdée. J'arrose mes cultures. Bon, du coup, vous avez fait quoi de beau aujourd'hui? Vous n'allez pas me dire que vous avez fait des trucs trépidants, je me doute bien. Mais... Ah bah avec plaisir, Kiwi, on pourra se faire une game en multi, hein, ça peut être rigolo. Hein. Après, ce qui est un peu dommage en multi, c'est que c'est beaucoup de... en gros, tu fais évoluer ta ferme à côté de l'autre personne, quoi. Alors après, du coup, on peut s'entraider. Mais je trouve ça dommage dans le sens où... C'est un peu quand même, genre, on fait notre vie l'un à côté de l'autre. Bon, on peut s'entraîner dans la mine, des trucs comme ça, on peut s'échanger des trucs, mais... T'es obligé de toi-même avancer pour tes quêtes, sinon ça te les débloque pas et tout, quoi.
arbre m'agace, je vois rien. Ah, il faut le récolter, le panier, ok. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent pas du tout Stardew Valley? Vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sachant qu'il y a les soldes Steam, j'ai pas regardé s'il était en promo. Jamais il vous fait. Après, c'est un jeu qui est pas cher. Qui est jouable si vraiment vous aimez les jeux de gestion dans ce style-là, tout du moins. Un peu à l'infini. T'en avais jamais entendu parler, Télac? Après, si tu... j'arrose ma porte dans l'espoir que quelque chose pousse dessus, voyez-vous. Si t'aimes tout ce qui est Harvest Moon, Animal Crossing, les jeux de gestion un petit peu dans cet esprit-là. Story of Season, que j'ai pas fait, que j'aimerais bien faire. Ben, du coup, tu peux que aimer Harvest Moon. Je viens de rentrer d'une excursion de pêche. Tu devrais venir à la plage un de ces jours. J'ai quelque chose pour toi. Willy. Donc après, c'est ta petite vie à la ferme, quoi. C'est en gros, t'as hérité d'une ferme. Ouais, c'est un héritage. Et tu débarques, tu sais rien de la vie de fermier. Et tu dois reprendre la ferme. Donc du coup, tu vas cultiver tes trucs... Enfin, faut que tu survives, quoi. Faut que tu te fasses des sous. Je te spoil pas tout ce qu'on peut faire, mais déjà... Je te donne une petite idée. T'avais dit que je devais faire mon... J'ai combien? J'ai 67. Mon coffre. Ouais, voilà, si après tu sais pas ton style de jeu, en effet. Je sais pas si Roro il aimerait bien, parce qu'il aime bien les jeux de gestion, Roro. Peut-être qu'il connaît déjà d'ailleurs. Ménage un peu dans la ferme, hein, celle d'Awa. C'est l'une des premières activités. Un peu de déblayer le bordel, en plus ça te fait au taquet de ressources. Ça te permet de démarrer le jeu tranquillou. Après, quand tu vas dans les mines, c'est moins chill, hein. Tu te fais agresser, mais... Ça reste quand même chillax, hein. Des petits trucs. Bon souvenir, le pissenlit te remet de l'énergie, c'est ça. Comment on mange déjà? Comme ça? Comme ça. Ah, il y a plein de trucs là-haut. Comment? Zéro d'énergie, ah bah c'est pas très utile. Forcément, 0 plus 0 égale la tête à Toto, quoi. Et si j'étais fermier un coup de chibre le 30 avril, on est n'importe quoi. Tu me fatigues. Ah non, je te serais éternellement reconnaissant si tu m'apportais une carpe. Bah écoute, pourquoi pas, parce que j'allais aller de toute façon
voir Willy. Je sais plus si je t'avais vu ou pas. Lol, Mitch. Tu vas bientôt avoir des super émotes ici déjà. Donc te plains pas. Oui, mademoiselle. Il fait. Mademoiselle? J'ai entendu dire qu'il y avait du sang neuf au village. Ravi de faire ta connaissance. Vas-y, à bout de la canne à pêche, moi je veux pêcher. Ah, j'essaie de me détendre un peu après avoir passé un mois en mer. C'est un long voyage, j'ai vendu beaucoup de bons poissons. J'ai enfin assez économisé pour m'acheter une nouvelle canne à pêche. Gimme, gimme, gimme la canne à pêche. Ah ouais, ouais, je vois, je vois. Ici, Mitch. J'attends moi qu'on me change la couleur des cheveux et après je vous mettrai... les nouvelles émotes. Moi je sais les poissons. Et tu peux finir maintenant que tu m'as donné la canne à pêche. Alors, comment on pêche déjà dans ce pays? Je sais plus. Il y a tout un truc. Merde, je sais plus. Je me fatigue là. Faut attendre. Je me suis fait sub là-bas. Il y a tout un truc avec la pêche et tout, c'est comme dans Animal Crossing, en fonction de la saison, de où t'es et tout, t'as des poissons différents. Lol, bitch. Fais sub partout. Ah mince! Ah, flout. J'en ai pas besoin. Ouais, on va avoir un problème qui s'appelle je n'ai plus de place dans mon inventaire. Je suis une courge, j'ai zappé de vider mon inventaire en partant. Bah oui, vas-y, prends les trucs. Il y a un accès, non, par là? Non, pas du tout. Elles sont énormes ces émotes, j'adore. Moi c'est simple hein. Comme émotes, elles sont classe, elles sont bien faites et tout, mais au moins tu prends des photos de ta gueule et c'est ok quoi. C'est moi qui te ruine, ami. Je vais laisser ça ici. Ça également. Quoi que ça, je vais l'emmener. Ça aussi, on sait jamais. Ok. Ouais, c'est cool de pêcher. Oh, je peux peut-être pêcher ici. Directement, en fait. En fait. On teste. Si je ruine ton prime. Ah merde, super des algues. Ça c'est le karma de Mitch. Ta faute. Merde. On m'a offert un sub T2. Oh attends quoi? Attendez, vous m'avez perturbé. Micheline, ici. Comment ça être épuisé? Je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas. Oui bah jaloux comme ça. Ok. Donc en fait, c'est comme avant. Je récupère que de la merdouille ici. Je continuerai à pêcher. Ah ouais, parce que je suis. Ah, c'est vrai qu'on a des problématiques de départ. Genre que. On n'a rien pour se remettre de l'énergie et tout. Mmh.
Est-ce que quelqu'un a regardé un petit peu ce qu'il y avait sur les soldes de Steam? J'ai pas trop eu le temps, ça a bugué ma liste de souhaits tout à l'heure. Bon, comme d'hab, à chaque démarrage de soldes de Steam, mais... Des jeux sympas en promo. Ils ont tellement de soldes de Steam que t'as l'impression que... C'est l'éternel... Éternel solde. Ah. Là, je peux m'en... Ah non, c'est zéro, c'est ceux-là, zéro. Mais non, je veux pas les bouffer, du coup, c'est pas merde. À quoi ça sert, les jeux? La fatigue, c'est là, regarde où tu vois mon. Ici en bas à droite. Regarde. Je suis Lolo. Je suis Lolo. Bon, c'est pas grave, du coup, je vais en profiter pour. Essayer de papoter avec un max de personnes. Je suis à combien là? 13 sur 28. D'ailleurs, Kiwi, toi qui joues au jeu, il y a un site, bon, c'est Pam, je l'ai déjà parlé, qui est le Wicked Stardew Valley où t'as toutes les infos. Et très honnêtement, ça vaut le coup. Enfin, après, sauf si tu veux vraiment tout découvrir, mais alors là, bonne chance. Mais sinon, t'as toutes les infos et c'est quand même cool. Enfin, pour savoir si à quoi te sert tel truc, tu dois les garder ou les vendre. Ah non, elle est pas remplie du coup. Là je suis en cours de fatigue. Là. Pas grave, on va se promener. Bonjour. Je le filerai, mais après si tu cherches Wiki Stardew, tu le trouveras. Et t'en as un en français, un anglais. Le français est un peu moins fourni que l'anglais, par contre. Bon, si t'es plus à l'aise avec le français, il y a quand même pas mal d'infos. Hein. Salut Michel. Ah, ça me saoule. Non, j'ai pas d'époux. Commence à vous voir, là. Vous dites pourquoi elle se gratte la tête. Que j'ai fait ma décoloration ce week-end et ça agresse le cuir chevelu, les décos, incroyable. Et donc du coup des fois ça gratouille un peu et là on est dans le soir de la gratouille. Quelques jours ça sera passé mais ça a un peu agressé quand même mes cheveux, voyez-vous. Donc, non, je vous informe que je n'ai pas de poux. Et ça vous rend triste, j'en suis sûre. Voilà, je vous informe. Je vous tiens informé, je suis quand même super sympa, quoi. De ma vie capillaire. Oui, donc ça, il faudra moult trucs pour le réparer. Voilà, 300 morceaux de bois. Ça, ok. Oui, il y a des trucs que je savais, mais je vérifie parce que vu que il y a eu la mage et que j'ai pas étudié dans le détail tout ce qu'il y avait comme nouveauté, il se peut. Belle chose également ici. Un petit peu partout. Donc je check. Il est ouvert à quelle heure le salon? Il est ouvert là. Rencontrer des gens, c'est le moment, quoi. Vous avez vu? Pas fantastique. C'est un petit billard. Non? Joue Jacola. J'avais jamais vu ça. Je ne sais pas si c'est nouveau ou pas. Oh, c'est fantastique. Quoi? Excusez-moi, je me sens mal, là. Oh, putain. Mais c'est si bien. Ah. Attendez, bah, mon cerveau, il a du mal, là. Parce que c'est les flèches pour tirer. Et l'autre truc pour... Oh là là! J'ai aucun souvenir d'avoir vu ça lors de mes précédentes parties. D'un côté, j'étais tellement obsédée par la ferme que j'en avais rien à foutre.
3 jours plus tard. Ouais, je joue à un mini-jeu dans Stardew. Fantastique. Laissez-moi. C'est quoi les objets? J'ai vu qu'en faisant espace, tu pouvais utiliser un objet. Ah, genre c'est du café, ça me fait aller plus vite, évidemment. C'est tellement logique. L'argent, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je vais l'utiliser quand je serai dans la merde, parce que c'est un truc fantastique. Excusez-moi, j'arrive. Je sens que ce moment vous passionne, mais... Oh ! Ah bah ouais ! Oh là là ! Ah bah ouais que c'était bien cet objet. Ah ça y est, j'ai réussi. Oh, il y a un autre niveau. Oh genre, il y a plein de niveaux. C'est tellement cool. Mais ça y était, ça, avant ? J'ai loupé ça toute ma vie. Ils ont des armures maintenant. Ouh là là. Ah oui. Ce que tu dis n'a aucun sens. Je vais faire un truc, je sais pas ce que j'ai fait. Ça c'est une fille ça, non? Ça peut durer encore plus infiniment. Ils me font peur là à se mettre en mode genre c'était caché. Oulala. Ah oui, du coup j'avais récupéré une vie. Vous allez devoir encore survivre ça un petit peu. En fait, pas si longtemps que ça. J'aurais pas. C'est honteux. Je vous sens dans le mal, là, de voir que j'en C'est honteux. Oh là là, je les ai brain. Bon, je les ai pas brain très longtemps, mais je les ai brain, quoi. Non, non, quittez. On a des choux et des carottes à faire... À faire pousser, c'est pas tout, quoi. Je sais plus... Bah, c'est pas, mais elle est en train de boire un coup. En plus, on l'avait peut-être vu. C'est honteux. Je crois qu'on l'a vu. Je sais plus comment ça s'appelle, Micheline. Ah bah pourquoi? Tu veux pas parler? Genre les gens avec des haches te font peur. Bon bah pourquoi? Allez, let's go au lit. De toute façon on avait plus beaucoup d'énergie. On pouvait pas faire grand chose. Niveau subcueillette, plus 1 de compétence de hache, les arbres donnent parfois des graines, nouvelles recettes, fabrication de graines sauvages et casse-croûte. On peut faire de la cuisine. Ah, il pleut. Et ça, c'est plutôt une super nouvelle. C'est plutôt une super nouvelle. Et donc typiquement, quand il pleut... Eh bien, vous avez d'autres poissons qui arrivent, enfin que vous pouvez pêcher, quoi. Bon. Il y a là-bas aussi, j'avais oublié. Soudain. Se souvint-elle. Ah bah, du coup, il y a que dalle. On va les pêcher. Faut qu'on fasse la quête de la carpe. C'est le moment de chill. La pêche. La pêche, c'est cool. C'est incroyable, la pêche. Si vous voulez me raconter votre vie, c'est le moment, quoi.
Oh! C'est quoi ce poisson? C'est bon, j'ai une canne à pêche low cost. Il va falloir qu'il se calme. Hein. Voilà. Super, ça pour des lunettes cassées. Je me souviens plus en plus, il va falloir que je check où c'est qu'on chope les cartes. Je pense qu'on peut en choper partout, mais je suis plus sûre. Si je pouvais arrêter de choper tous les détritus de la terre, ce serait cool. De bouger de spot. Allose. Il y a même des concours de pêche avec la taille de ton poisson et tout. Putain, c'est incroyable. Attendez, je vais check parce que si je... Attends. Non ! Sois sage. Là, vous faites Stardew Valley. Ah là, je suis en QWERTY. Stardew Valley. Wiki. Si ça vous intéresse, je peux vous filer le lien. Mais bon, après, si vous faites ça sur Google, vous cherchez sans être en QWERTY. La carpe. Attends, toi. Et lac de montagne, forêt secrète, égout, repère. Lac de montagne. Genre elle est pas ailleurs. Il faut que je monte alors. Ok. Alors attends. N'importe quand, toute saison, toute météo, je vais vérifier. Faut que j'aille en haut. Donc du coup, j'aurais pu m'exciter ici. Mauvais souvenir, je croyais qu'on pouvait la choper partout. My bad. Bon d'actualité d'ailleurs, cette quête. Il reste un jour, ok. On va aller choper la carpe. Ah mais je vais plus avoir de place, bah, c'est pas grave, je jetterai un truc. Un poireau. Alors, le poireau c'est la vie quoi. Ce jeu m'en veut. Allez, allez fort. Arrête. Arrête, je te dis. Et non, et non. De toute façon, j'aimerais bien... Kiwi, tu verras, dans ce jeu, faut tout garder.
autant que possible. Tout a son utilité à un moment donné. Et après tu fais non, pourquoi j'avais tout revendu? C'est vrai que cet petit son de la pluie qui tombe nous endort. Hein. Version ASMR. Non ? Ça vous fait pas ça, vous fait pas ça, vous ? Oh, le coffre. Non, non, mais il me faut le poisson. Souris, mais là... Yes. Yes. Stardew ASMR, grave. Oh Michel, j'avais oublié ça, il y avait ça avant. Je sais pas du tout me souvenir qu'il y avait ça. Ah si, après il y a le truc. Bah tu vois, il y a le truc. Je dirais parce que si je spoil des gens qui commencent, je vais me taire. Ah mais oui, mais de toute façon, voilà. Oh, c'est la dèche. Il faut que je devienne un peu plus riche là pour m'acheter le sac à dos. Comme Dora l'exploratrice. Sac à dos, sac à dos. Pose là, it's not possible. No breaks. This is horrible. À qui il faut l'emmener? C'est qui voulait la carte? Et il est. Oh putain, je sais plus qui c'est. Il est. Et là, vous faites. Wiki Stardew. Il est. Alors, toujours en enlevant le clavier QWERTY, hein, évidemment, faites pas comme moi. Et vous voyez que c'est Gertrude. Elle est blablabla. Elle n'ira pas à la fontaine mardi dimanche. Et on est 4 jours mercredi. Sa maison reste ouverte de 9h à 8h. Et donc, Micheline, sa maison est où? Alors attends, le wiki, dans le wiki, on sait où est sa maison normalement. Blablabla, blabla. Sa maison. Relation, horaire, événement, quête. Sa maison. Ah voilà, faut que je clique sur sa maison. Elle est localisée le long de la route, là, plutôt au sud de Pélican, juste à côté du 1, allée des saules, parce qu'en plus, il y a des numéros. J'ai oublié ça. Attends. C'est plus au sud. Tu parles à toi? Même plus. Oui, je crois. Donc là, plus au sud. 1, 2. Je dirais que c'est là la maison de Ellie. On a des experts de Stardew dans la place. Jody. Allez, on est dans la merde. On est dans la merde. Vous pouvez pas mettre des numéros là, faire comme tout le monde. Moi, je sais pas. C'est pas des numéros quoi. Mais non, parce que là, c'est le truc. C'est la merde. On vous dit que c'est la merde. Ah si, il y a une petite carte là. D'ailleurs. Un moustique. Mais... C'était la maison qui était un petit peu à droite en fait, parce que le 1 ça doit être peut-être là, je sais pas, ou alors c'est dans l'autre sens, 1, 2, ça doit être ça peut-être, bon c'est celle-là. Il y a un moustique qui m'agresse, mais sérieux quoi. Elle est là. On va lui donner la carte. Elle va être trop contente. Hop. L'argent.
L'argent. L'argent, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est ? Magazine super modeuse. Ouais. Je crois que c'est fermé, là. Continuez, voilà. Voilà, voilà. Alors, on va aller voir les... On va aller vendre les poissons. Pour l'instant, je vais tout vendre. On se fasse des sous. Fermé le mercredi. On va mettre ça au bac, c'est pas grave. Oh, pardon. Encore mieux, non. Ça, je vais garder. Pour l'instant, les gens qui je dégage. Ok. Un effort, s'il te plaît. Un délire avec ça après. Ah mais non, les trucs sont en haut. Oh. Mais je les veux moi. Pour l'heure. Merci. La serre du coup elle est là. C'est trop joli avec les petits arbres comme ça. Mon retour à la hop de sa troisième année, grand-père. What? J'ai aucun souvenir de ça non plus. Mais grand-père, j'ai pas spécialement envie de tout revoir en fait. Je suis pas trop dans le délire fantomesque. Vois-tu? Je me souvenais pas. Vous commencez à être épuisé. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ne t'énerve pas. Ah oui, ça c'est pour faire des champignons et tout, là, c'est cool. T'as plusieurs choix, moi j'avais fait des champignons. Les champipilles. Euh, 10h40, ok. Alors au départ, on va un petit peu se coucher tôt, parce que on a des problèmes d'énergie et tout, et après on aura tellement de trucs à faire qu'on va se coucher tard et qu'il va nous arriver des petits problèmes. C'est pas cool d'essayer de se coucher trop tard. C'est pas cool, vous verrez. Je passe des trucs. C'est beau aujourd'hui, hein. Ah, c'est pour demain. Demain, il fera beau aussi. Je bête, oui. J'ai pas grand intérêt d'avoir la météo du jour, quoi. Faut pas... En même temps, c'est les pannes. On est quel jour? Jeudi. Faut pas oublier que dimanche, il y a l'anniversaire. C'est de Lewis. Il faudrait qu'on regarde un cadeau qu'il aimerait bien. Faut qu'on regarde. Du coup, planter, récolter le panier, on est en cours, les présentations, c'est loin d'être fini. Il est quelle heure? On va dégager un peu ça. Est-ce que je peux construire avec déjà ce que j'ai? Je sais pas combien j'ai de bois parce qu'à 300 je peux aller aussi réparer le pont sur la plage et ça nous donne un accès à un endroit où
on chope pas mal de choses et donc du coup ça fait un peu d'argent. C'est le clip sur Twitter, c'est une première pour moi. GG Groot. Bonsoir Charlie McFly, bienvenue. Ouais, grave, les musiques de Stardew. Les musiques chill de la vie, quoi. C'est gentil, merci Groot. Tu m'as tagué dessus? Tu as trouvé comment faire? Je regarderai. Il est quelle heure? 8h10, jeudi. On va aller voir s'il y a des quêtes. J'ai pas regardé combien j'avais de bois. Je dis des choses, mais je ne les fais pas. Ma vie. Ah non, mais c'est la folie. Moi, j'ai vu la mage et j'ai fait... Oh putain, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas joué. Mais juste, vu un écran de Stardew, j'ai dit, ah ouais, ok, c'est bon. En fait... Je vais le lancer tout de suite. Bon, cool. Je t'ai parlé, toi? Attends, reviens ici. Ne te barre pas. Qu'est-ce que... Ouais, j'ai de reparler au long, non? Oui. Non, pas le calendrier. Une fois l'envie d'algues vertes. J'avais des algues à la maison. Je les ai pas vendues, j'espère. Je sais plus. J'ai gardé les algues dans le coffre. I don't know. Tagué. C'est quand tu mets arrobase le pseudo de la personne. C'est ça que je voulais dire par tag. Les algues. Combien? J'ai 233. Je vais bientôt pouvoir aussi réparer le pont. Et de quoi? Utiliser un objet dessus pour changer ce qui est affiché. L'objet ne sera pas consommé. Ben non. Casse-croûte, c'était quoi? Ah oui, gland, grain. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait faire les casse-croûtes avec ça. Faut que je m'en fabrique. Gland, graines d'érable et pommes de pin. Non mais tu te casses pas la tête, Groot. Ah, j'ai dû jeter les graines tout à l'heure, non? Maybe. Comment on fait déjà? Attendez, là. Il n'y avait pas une technique? Passer de l'inventaire du truc. Non, je sais plus. C'était pomme de pin. Pomme de pin. C'est un mode. Comment je faisais? Réfléchis. Non, j'ai pas de pomme de pin. Bah, c'est que j'ai pas pété de pain. On a les pains. On verra ça après. Et alors, c'est qui voulait les algues? Elliot. Je sais plus qui c'est, Elliot. Alors, on va checker. On va mettre le wiki. Ce sera plus simple pour moi. Elliot. Je pense que je l'ai mal écrit. Non, oh, dis donc. Il est... Ah oui, c'est que j'ai... Vous voyez ma souris qui se déplace sur le... sur la page. Il habite où? Michel, ta maison. Elliot, déjà, blablabla, bla, bla, vous trouverez... on est... tac. On est mercredi. Horaire régulier, chez lui, on a dit qu'il était quelle heure, 9h30. Il est chez lui jusqu'à midi, donc on devrait pouvoir le choper. Il faut juste que je chope où est sa maison. Je trouve qu'il est... Il faut que je retourne sur le wiki... vraiment anglais, parce que le wiki français, c'est... Je trouve à chaque fois les infos. Je trouve pas sa maison à Elliot. Pas la maison de Elliot. Elliot est un villageois vivant sur la plage au sud de Pelicanville. Merci beaucoup. Le follow, c'est super gentil, Charlie. Merci. Je me suis remise en QWERTY. Non, c'est bon, il se passe des petites choses un petit peu ennuyeuses. Au sud.
Oula. Si celui qui a... Mais il habite pas dans la cabane. Si. C'est Elliot qui habite dans la cabane. Il est censé être chez lui, il faut que j'attende qu'il sorte. Pas grave, pas grave, pas grave. On va savoir s'occuper. Qu'est-ce que c'est ? Trilobite ? Trilobite. Ah ! Aucun jugement. Hein. Tous des noms un peu bizarres par moment, mais Trilobite, quoi. J'ai pas pris la canne à pêche, j'aurais pu pêcher en attendant que Michel il décide à sortir. Ça va au musée, Dak. On va amener ça à Gunther. Après. On avait dit que c'était 300 hein, le pont. C'est ça, hein. Je dis pas de bêtises, ouais, c'était 300. On est quasi à 300. Je vais casser ta barre. En route, ça y est. Ambiance. Elliot! Elliot! Tiens! Non! Les mange pas! Gertrude! C'était des algues, c'était pas des algues vertes. Oh, j'ai mis d'autres fails. Bon, ben, des os, hein. Des os. Je vais aller les pêcher, hein. Des os. C'est honteux. Des os, visiblement, mes algues étaient un petit peu pourries. bon, ben, voilà, hein. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein. On peut pas plaire à tout le monde, voyez-vous. Hop, Michel. Comment journal ? Ah, mais oui, parce que du coup j'ai fait ça. Oui, oui, donc là en fait, Gunther il nous dit qu'il a toute une collection et qu'on doit lui amener plein de trucs. Ouais, donc là, Elliot, là c'est la fin. Et donc là, Gunther il est content quand tu lui amènes des trucs. Et il y a une quantité infinie de trucs à lui amener, comme vous pouvez le constater, il y a de la place partout. Hein. Voilà. Et content, voilà. Les minéraux, les artefacts. Voilà. Et après, il te donne des cadeaux. Plein de trucs. Plein de trucs. Blin, 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 blin. Du coup, il l'a pris ou pas, mon truc ? Non, il l'a pas pris. Il a juste discuté. Donc, faire un don au musée. Et après, on le met où on veut. Je sais plus si on a le droit de le réorganiser. J'espère que oui, parce que je me souviens plus. J'aimais bien organiser par catégorie, mais moi, je suis un peu... un peu une psychopathe, mais... Argent. Ouais, là, la relation avec Elliot, c'est la même merde. Hein. C'est la même merde. C'est la même merde. Là, le mariage est mal barré. Faut le savoir, quand même. Prendre compte de ça. Ici, c'est de la merde. On va planter des trucs, parce que j'ai fait un peu la sieste. J'ai rien acheté. C'est pour ça qu'il coûte combien, déjà ? Rappelle-moi. Oh, 2000 PO, mon Dieu, mais mon Dieu. C'est si cher. Purée, je me souviens plus, c'était plus rentable. Attendez, c'est pas comme si j'avais fait un truc sur le blog avec les trucs les plus rentables. On allait chercher bien loin, quoi. Stardew, et j'avais dit le lien. Voilà. Et alors, les cultures au printemps, pommes de terre, rhubarbe, mais c'est dans le désert, blablabla. Donc la pomme de terre. La pomme de terre. J'aurais dû en acheter tout de suite, voilà, c'est la fin de ma game, là, c'est bon. C'est bon, elle est morte, ma game. Pas de don que de l'oseille, mais après, il nous donne des trucs hyper... des fois, hyper qui servent à rien, des fois, hyper sympa. Il te donne des trucs à mettre dans ta maison.
déco, quoi. Trop bien. Pour toi. On va aller planter les patates. La bonne patate. Avec ou sans patate? Avec ou sans patate? Bon, j'ai laissé la place pour l'arroseur, mais visiblement, normalement, l'arroseur ne fonctionne pas dans le sol sablonneux. Mais j'ose espérer que du coup, peut-être a-t-il prévu autre chose à la place. À la place. On verra bien, quoi. I don't know. We will see. We will see. Okay. Bonne nuit, Mitch. Repose-toi bien. Des gros bisous. Tout ce petit monde, j'avais oublié, je me suis barrée sans arroser. J'ai cru que c'était la fête, hein, je crois. Ah si, j'avais arrosé. Juste que j'ai pas les yeux en face des trucs. En face des trucs. Wesh. Allez, wesh, hein. Quelqu'un a vécu ici autrefois. Je vais garder un. Je faisais beaucoup ça avant. Comment on fait déjà, mage? Pas du tout. Organisé? Pas du tout. Comment on... Non. 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 Ah si. Voilà, j'ai trouvé le bouton. Ça, je peux vendre. Aussi. Quoique, je devrais en garder un de chaque exemplaire, normalement, mais je suis pauvre pour l'instant. Hop là, ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah oui, il fallait que j'aille pêcher mes algues, là. Il faudrait que j'aille pêcher des algues. Embarquer le poireau. Pour me remettre un peu d'énergie en chemin. J'ai pas trop dégâts. Qu'est-ce que c'est ? Mais on est ok que algues vertes, c'est aussi des... c'est... Donc c'est pas celle-ci. C'est bien des algues qu'on pêche. Sans avoir un doute, parce que l'autre Michel, là, il n'était pas content des algues. Merde, je suis restée en QWERTY. Je vais le faire 150 fois, je vais jamais y arriver. Algues vertes. C'est ça, tu trouves des algues et des algues vertes, c'est bien ça. Pas complètement. Un objet qui peut être pêché à l'aide d'une canne à pêche en eau douce, hormis dans la mare de la ferme Sandar, durant n'importe quelle saison. J'ai eu un doute l'espace d'un instant. On va aller pêcher dans la rivière. En plus, on va se faire des sous parce que on va récupérer des poissons. Qu'est-ce qu'on a dit précédemment? Les sous. C'est la vie! Ouais, ouais, grave, il faut que je chope au taquet de thunes pour le sac à dos, parce que là, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je suis pas hyper bien partie. Bon, après, je fais une partie de chill. Parce que quand je tryhardais le jeu, j'avais recommencé plusieurs fois jusqu'à ce que je trouve une bonne stratégie pour bien démarrer la première année. Bon, après, si tu la démarres pas bien, c'est pas grave. Hein. C'est juste plus long. Mais c'est vrai que j'avais trouvé pas mal de trucs et tu vois, j'ai tout oublié.
Ah non, mais c'est clair que tu peux faire des stratégies. Et puis, alors, oh, purée, moi je vois des gens, ils font plein de runs différentes et tout. C'est trop cool. Écoutez, il est si bien ce jeu, ça donne envie. Hein. Voilà, forcément, maintenant que je veux des algues, je vais choper tous les poissons du monde entier. Mais pas mes algues. Sinon, c'est pas drôle. C'est le principe, quoi. Yeah, c'est bon. Faut qu'on retrouve Michel, 18h. Oh putain, tu vois qu'il va être enfermé chez lui, je vais l'avoir dans le Lulu. Michel, Elliot, Elliot. Et voilà, il rentre chez lui à 17h30. Chier! C'est la baise! Bah du coup, je pourrais lui donner demain, c'est pas grave. On va finir de pêcher un peu. C'est pas grave. Ne paniquons pas. C'est honteux. J'ai fail. Ah bon. Ah bravo, Kate Shoja. Fermez ça. Hein. Non. Ah mais Michel est plus là, donc ça sert pas à grand chose, ok. Eh mais alors pourquoi ça sert ça? Pourquoi ça me parle pas qu'il y avait ça? C'est genre tu mets un truc, qu'est-ce que c'est? C'est le bac à légumes? Je vais pas souvenir qu'il y avait ça avant. Je me souviens pas du tout. Là. Voilà, ça a été intégré à une mage. Enfin, je sais pas du coup si c'est dans cette mage ou une précédente. Pas du tout le souvenir d'avoir vu ce bac. Je garde ça. Ça, je dégage aussi pour l'instant. Pour l'instant, on n'aura pas besoin. Une nuit. Crabeau aussi, ok. Bonjour. Ah du coup on a choisi un chat, on voulait prendre un chien, on a zappé. On est trop mauvais. Mais c'est cool les chats aussi, j'aime bien les chats. Je valide, c'est bon. J'ai trouvé un site devant l'entrée de la ferme, je crois que c'est un animal errant, pauvre petite chose. Je crois qu'il aime bien cet endroit. Je pense pas que ta ferme aurait besoin d'un chat. Oui. On va l'appeler comment? On l'appelle Roquette? Bon du coup c'est Roquette le chat, c'est pas Roquette le chien, je suis désolée. Les membres de notre équipe ont dégagé le glissement de terrain provoqué par notre opération de forage près du lac de montagne. Ah oui, c'était pas au tremblement de terre qu'il y avait ça, ok. Je tiens à vous rappeler que notre opération de forage est tout à fait légale. La gestion responsable de l'environnement est notre priorité. Nous sommes désolés des désagréments que cela a pu vous occasionner, donc on peut aller dans la mine maintenant. Comme toujours, votre soutien continuel et votre bien-être sont importants. Du coup, ça, c'est le début de la fortune. Progression. Atteignez le niveau 1 en agriculture et fabriquez un épouvantail. Les élevages d'animaux, donc construire un poulailler. Là, ça commence à être sérieux. On commence à avoir plein de quêtes. Ça, c'est cool. Présentation, c'est très long. Je me suis souvenue. Il faut que j'amène des algues vertes.
Et j'ai pas encore le truc de l'épouvantail. Ok. Il me faudrait des graines pour planter d'autres choses. Et en attendant, on va quand même arroser les patates. On voit pas trop. Oh, calmons-nous. Les patates. Il ne sort que à partir de midi, on a dit. Enfin, j'aurais trop pu. Mais je vais faire 10 fois la même erreur. On aurait pu récupérer. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, attends. On aurait pu récupérer la canne à pêche. Voir s'il y a d'autres trucs. Quand j'ai débuté, j'ai cherché éternellement comment aller ici. Parce qu'on y voit toujours des trucs à récupérer alors qu'en fait on ne peut pas y aller. J'ai cherché pendant des jours. Sachez-le. C'est horrible. Vamos a la playa. Oh oh, y'a que dalle, que dalle. Oh oh, salut mouette. Mouette. On a 2 heures à tuer. On va aller côté de la ferme là. Avoir des petites vaches et tout, c'est trop cool quand t'as les animaux. Mais c'est long, hein. Enfin, bon, en tout cas, sur mes runs, à chaque fois, c'était quand même assez long. Ah, mais je suis full! Quelle merde! Oui, mange la jonquille. Vas-y, mange la jonquille. Ok, on dira rien. Quelle heure ? 11h30. Ok, on va tranquillement retourner là-bas. On va quand même pas louper l'heure, ce serait un peu too much de louper Elliot, notre ami Elliot qui aime bien les algues vertes. Salut, tu fais du skate, ça a l'air trop cool. Ouais. Ou Elliot. Ou Elliot. Ok, quelle journée vendredi. Est-ce qu'il faut autre chose le vendredi?
Midi quitte sa cabane et se tient sur la plage au sud de chez lui. 13h30, rentre chez lui. Ben, Elliot, nous aurait-il menti? Elliot, mais t'es où? Ah non, oui, ça s'est rentré à 13h30, au pire. Mais là, c'est qu'il faut qu'on arrête de rigoler, en fait, hein. Elliot! Il est là! Non, c'est pas lui. Merde! C'est pas lui, hein? Si c'est lui? Ah, si c'est lui! Il est pas sur la plage, il est sur le ponton! Je vérifie que c'était lui quand même, parce que si on fait un fail encore. Voilà, il est content! Il est content! On a réussi à aller les algues. Il est content. Il est content. Bon, alors, let's go. On va aller. Ça, je pense que Gunther, voilà, il sera content. Maybe ça aussi. On va amener ça à Gunther. On va aller choper d'autres graines. Je sais plus combien de temps les pommes de terre machin et tout. Si. Ah mais je crois qu'il s'était fermé, je t'avoue. J'ai bugué en fait. Hein ? Petite cuillère, on va la mettre ici. Je pense que c'est plutôt pas mal avec la petite flèche. Tu peux pas me filer un cadeau ? Radin, va. Est-ce que j'ai parlé à tout le monde ici ? Comment les enfants ? Non, pas toi. Il veut pas parler, lui. Il m'aime pas. Je pense qu'il m'aime pas. Parce que... Je suis déçue. Attends, moi je l'aime bien. Oh, mamie, je crois que je l'avais pas vu, mamie. Mais bien sûr que je t'appelle mamie, tu crois. 1 sur 28. Grèce. Qu'est-ce qu'on fait, Annette? Tiens. Ouais, let's go. Let's go, patate. Ça coûte la peau des fesses, mais c'est fantastique. Les arbres. Pitié. C'est fantastique. Acheter. On n'avait pas dit qu'il y avait l'anniversaire de quelqu'un. On avait dit quoi? On avait dit Lewis. Et on va regarder rapidement. Qu'est-ce qu'il aime, Lewis, pour son anniversaire? Si on veut avoir des amis, il faut y penser. Qu'est-ce qu'il aime? Ah bon, on est dans la merde. Oh là là, myrtille, fruits de cactus, noix de coco, neutre. Déjà au moins qu'il y ait des pas qu'il déteste. Il aime bien les poireaux, les pissenlits, les jonquilles, ça j'ai. Ça je pourrais lui filer. Voilà, on pourra faire ça. C'est neutre. C'est important de penser à ses amis. Bonne nuit, Charlie! Merci beaucoup d'être venu, c'est super gentil. Si tu veux, attends. J'enlève le QWERTY. Tu as le Discord ici et tu as mes réseaux sociaux là. Bonne nuit. On va planter tout ça. J'aurais pu mettre là, je suis courge. Hein.
Ne jugez pas, là. Je vous vois en train de me juger. C'est des moitiés de carrés. Partout. C'est plus joli. C'est faux. J'avais oublié. Là, je dois avoir assez pour réparer le pont, par contre, je pense. Donc, je check. C'est un peu cher de tirer demain. Je vais avoir de quoi faire. Attends. Afin qu'on y voie plus clair. On a dit que ça, c'était gland, graines d'érable, pomme de pin. Gland, graines d'érable, pomme de pin. Mais j'en ai qu'une en fait, pomme de pin. Par contre, le bois, j'ai que 233. Ah non. Voilà, 310, ok. La sève, on va la garder. Ça aussi, ça aussi. On va faire. Let's go. Ah ben oui, du coup, on peut en faire qu'une. On va essayer de trouver d'autres arbres à péter. On peut s'en faire d'avance. Ce serait cool. Là. Bonne soirée, Télac. Des gros bisous. J'ai pas honte de couper des groutes. Mais ils m'apportent tellement de bonnes choses. Je leur donne une seconde vie. Et ils repoussent. Il y a des graines partout. On peut même les replanter. C'est un génocide de groutes. C'est la fin des groutes. Oh, je suis pas fatiguée. Suffit. 19h, de toute façon, on va finir ce pain. Oui, oui, c'est bon. Le problème, c'est que chiotte. Oh là là. Non, on va pas le finir parce qu'on va faire des conneries. Voilà. On va aller ranger tout ce bazar. On va y voir plus clair. Ok. Ah, le petit chat. Voilà, on a pris le plus 1 en compétences d'agriculture. C'était dans notre quête. Et on va pouvoir fabriquer un épouvantail. On a également pris plus 1 en cueillette. Et on peut faire un hamburger de survie. Alors, l'épouvantail, il nous faut quoi ? Bois, charbon, fibre. On va regarder ce qu'on a. On a du courrier. Carrie, je tiens à m'excuser d'avoir plaisanté au sujet de la vieille maison de ton grand-père lors de notre première rencontre. C'est vraiment une très jolie petite maison. Mais tu auras peut-être besoin d'espace un de ces jours et je peux t'aider si tu m'apportes les matériaux nécessaires et que tu paies le prix, je peux agrandir ta maison. La première extension que je te propose inclut une cuisine. Grâce à elle, tu pourras préparer les recettes que tu as apprises. Là, j'espère que tu commences à te sentir chez toi à Stardew Valley. On avait dit quoi? J'ai oublié ce qu'il fallait. Pas de tête. Charbon. On est. Yes. Du coup, j'ai plus assez pour le pont. On va refarmer un petit peu de comment ça s'appelle? De bois. On
on ait de quoi manger. On est 4 jours samedi. On avait dit qu'on allait fermer du bois après. Okay. On va arroser. Patates. Hop, le bois pour aller faire le pont. Poulailler, il faut que je continue de rencontrer les gens. Parce que là, ça va être bon pour le bois. On va garder ça, on va aller poser tout ça. Je vais fermer un peu la pêche pour récupérer un petit peu de sous pour pouvoir bientôt m'acheter le sac à dos. Là, il va nous ouvrir le centre communautaire. Salut! Quelle horreur! Le centre communautaire de Pélicanville, ou plutôt ce qu'il en reste. C'est la fierté et la joie de cette ville, c'était toujours très animé ici. Regardez-moi ça, c'est honteux. Ces derniers temps, les jeunes préfèrent s'asseoir devant la télévision que de faire partie de la communauté. Mais écoute-moi, on dirait un vieux gâteux. Joja Corporation m'a harcelé pour leur vendre le terrain afin qu'ils puissent le transformer en entrepôt. Pélicanville a besoin d'argent, cependant je n'arrive pas à le vendre. Les vieux comme moi s'attachent aux reliques du passé, enfin bref. Si quelqu'un d'autre devient membre chez Joja.co, je le vendrai. Allons voir à l'intérieur. Ça, c'est trop cool. Lol Groot. Qu'est-ce que c'est ? Ils en font venir jouer ici. Cet endroit était encore plus délabré que dans mes souvenirs. Lucy ! Quoi ? Mario. Quel est le problème ? Êtes-vous malade ? Des visions, monsieur. Avez-vous vu quelque chose? Je ne serais pas surpris que si cet endroit était infesté de rats. Mais qui était Ikari? Écoutez, je vais rentrer chez moi, j'ai besoin d'un bon repas. Je vais laisser cet endroit ouvert à partir de maintenant. Vous pourriez essayer d'attraper Sra si vous en avez le temps. Je pourrais revenir plus tard et explorer davantage cet endroit. Pidoup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 ido
C'est comment déjà qu'on fait pour déchiffrer ça? Un truc qu'on trouve? Oh, je ne viens plus du tout, dis donc. Ah, peut-être dans la mine, je sais plus. Baby! Je me souvenais plus que c'était crypté. On va aller réparer le pont. Héron, héron, petit patapon. Allez, let's go. Et voilà. Petit coucou. Ça, ça vaut des sous-sous. Ça vaut des sous-sous. Calmons-nous. Un flétan. La pêche, c'est un truc que dans Stardew, ça te rapporte pas mal de fric. Un truc un peu facile à faire au début, quoi. Partir. Il y a quelques poissons avant, 1500. Je vais faire un tour à la mine, mais j'ai pas regardé les esprits. Recherche quelqu'un pour m'apporter 20 unités de minerais de cuivre pour une inspection. Bon, j'ai accepté la quête. Il va falloir que de toute façon j'aille à la mine. Boone. Ah, il me prend rien. Je vais mettre en vente dans le coffre. Bonjour. Ah non, c'est pas moi qui parle. Hop. Ça, j'en ai pas besoin tout de suite. Okay. De faire le ménage dans la ferme. On est samedi, ouais. L'anniversaire demain. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok? L'assassin encore des groutes. Le nombre d'arbres qu'on coupe dans ce jeu, ils repoussent à l'infini en plus, donc laisse tomber. Hein. On voit. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, yes, ok. Ah, c'est ce qu'il disait que des fois il y avait des cargaisons qui s'échouaient sur la plage. Sur la plage abandonnée. Coquillages et crustacés.
Des vers de terre. Ah là, il y a des algues. Pas du tout. Allez, on va péter un petit peu tout ça. Pas du tout. Je me mets pas dans le bon sens. Mais pourquoi Michel? Ah, inventaire plein, fuck. Flock, flock. Tant pis. Bon, on va continuer sur les. Le bois. Je viendrai prendre ça plus tard. De toute façon, il va me falloir un peu de tout pour faire l'amélioration de maison. Je vais me coucher. De toute façon, je suis Lolo. Il va me manquer un tout petit peu pour avoir le sac à dos. Je vais aller à la mine. Il pleut, yes. Oh non, mais bouge pas la télé. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais... Les esprits sont d'une humeur normale aujourd'hui. Ok. On va aller à la mine. Let's go mine. Qu'est-ce qu'il y a? Mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi ne viendrais-tu pas me rendre visite? J'habite à l'ouest du lac de la forêt, dans la tour de pierre. J'ai peut-être des informations. Ah voilà, c'était ça. Ah, il y a autre chose encore. Moi, je vends des chapeaux, ok. Viens, la vieille maison, ok. Apporte des pièces. Ça, j'ai pas besoin. Ça, j'ai... si. Ça, je prends. Ça, j'emmène aussi. Ça, je prends parce qu'il faut qu'on aille voir Lewis avant de partir. Où est-ce qu'il est, Lewis? Non, pas du tout. Il est où, mon... Ah, là. Non, toujours pas. Lewis. Lewis. Le dimanche, il est où? 11h, fait du jardinage devant le manoir. Ok. What? Voilà, c'est bon. Et j'espère qu'on va le trouver tout de suite parce que j'aimerais y aller tout de suite à la mine vu que c'est un peu long. Lol, Groot. Des gros bisous, bonne nuit. C'est arrivé en QWERTY, je pense, ouais. C'est ça le manoir, hein? Il me semble bien que c'est là le manoir. 8h30. Je vais aller voir à la plage au pire. Bah non, mais y'a rien qu'à pop. Et là-bas? C'est vrai qu'il y avait lui. Inter sur 28.
raconte pas, on se souvient. Peut-être faire une jonquille en fait à Lewis et garder le poireau, j'en aurais peut-être besoin. C'est pas ça? C'est ça, purée incroyable. Voilà, bon anniversaire. C'est quoi ça? Registre comptable de Pelicanville. Il semblerait que le maire l'utilise pour garder une trace de ses finances. Journal des mariages de Pelicanville. Après le mariage, vous pouvez déposer ici une demande de divorce. Espérons que ce ne sera pas nécessaire. La boîte des objets trouvés du village. Je n'avais pas souvenir ça non plus. Mais pas du tout. Allez, on va aller à la mine. Ah merde, il y a aussi... Il y a encore une... quête, je vais regarder, on sait jamais. Pour essayer de garder l'art de la pêche en vie, je paierai 90 PO à tout pêcheur qui a 3 poissons l'une. Seriously? Bon, on verra ça après. J'aurais pu prendre la canne à pêche d'ailleurs, parce qu'on peut pêcher dans la mine. Bon, c'est pas grave. Avec mon mini sac là, je peux pas non plus transporter des trucs à l'infini. Quoi. Ça ira mieux quand j'aurai plus de place. Hein. Juste checker, je me souviens plus combien ça coûte l'agrandissement de la maison. Ça te coûtera 10 000 PO et tu devras aussi me donner 450 morceaux de bois. Ah oh mon dieu, je me souvenais plus. 10 000 PO. Ah bah tout de suite, hein. Ah bah allez, tout de suite. Et plus c'est si cher. Ah, il m'a filé l'épée. Oh yeah. Ah oui, c'est vrai que forcément, c'est la première fois que je viens. C'est pour possible, hein. Il y a quelqu'un qui voulait du minerai, non, dans mes quêtes. C'est pour ça, initialement aussi, que je voulais là. Atteignez niveau 5. Lui, il veut du minerai de cuivre. 20. Oh. Oh là là! Bon, ça se voit que ça fait longtemps que je me suis pas battue! Oh purée, elle pourrit mon épée! Quel enfer! Mon jeune vieux! Oh là là! Je récupère 20 de cuivre, ça va être chaud.
Oh là là, l'enfer du... de l'inventaire plein. Ouais, good choice, les géodes. Je vais laisser le corail ici, tant pis. Merde. Ajouter, comment on fait déjà? Ah oui, comme ça. Ça, comme ça, pour l'instant. Mais non, mais... Le bois, je t'avouerai que c'est pas le truc le plus utile pour l'instant. Même le bois dur en soi. Voilà. 14h10, ok. On va essayer de choper tout ce qu'on peut en... Ah non ! En minerai de cuivre pour essayer de finir la... La fameuse quête. Voir ce que ça donne. On a combien là, 9? Okay. Ça, j'ai pas assez. Moi, ça m'aurait fait des appâts, mais là... Il y a mieux qu'on jouerait un plus grand sac. Hein. Oui, mais j'en avais déjà deux autres. Tout à l'heure, il a pas voulu me le dire. C'est pas fou en énergie en fait le casse-croûte. Hein. Pas fait gaffe. Ça me remet pas mal de santé, mais niveau énergie, c'est pas fifou. Hein. À chaque fois de... Non, je suis pas épuisée, c'est dans la tête. C'est entièrement dans la tête. Oh yeah, attends, ouais, si. Je peux aller au moins 10. Ce serait au moins cool. Hein. Ah, flûtas! Patatas! Micheline!
J'en ai combien là? 26, GG, c'est bon. C'est ok pour la quête, il faudra que je voie à qui je dois les amener. Oui, je commence à être épuisée, j'ai vu. J'ai vu. Je trouve la sortie. Non, oh non, je vais avoir un problème là. J'ai rien à manger. No. Je trouve la sortie. I need the sortie. Des bisous kiwi. Bonne nuit. Oh yes. It's ok. On fait un petit échange standard. Hop. Ouais, on va remonter à la surface. Il faut qu'on rentre à la maison à 2 à l'heure. Il est 21h20. C'est la merde. J'annonce. Là, à rentrer avant 23h à ce rythme, l'enfer, quoi. Des gros bisous, kiwi, bonne nuit. Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use de saouler. 2 km à pied, ça use, ça use. Oh le bordel. On l'a déjà vu lui? Bonjour. C'est la merde. On l'avait déjà vu ou pas? Non, oh, c'est très bien. On a vu une personne de plus. Dans notre malheur. Non mais là c'est la merde, je vais crever. Oh non, je suis deg. C'est mort. C'est mort, mort. Salut Callisto. C'est l'enfer. Avance si doucement. Comment vas-tu? Je vais jamais arriver avant minuit, c'est impossible là. J'ai 23h que c'est cramé. Oh, mais j'avance si doucement. Ah, moi aussi, je suis pas encore en vacances. Ils disent, non, non, je vais crever devant ma maison. Nous, ça va, merci, nous. Putain, je vais. Non, mais genre, sérieux. Pitié, pas en arrivant devant chez moi, vite. Allez, Gertrude. Oh la vache. Incroyable. Bah, y a pas de soucis, t'inquiète pas. Oui, dormir. Oh là là. Mon dieu, cette exploration à la mine fut incroyable. Du coup. Ah merde, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Tu veux briser des rochers avec ta pioche pour trouver du minerai, c'est du bon travail. Ça, je sais, je sais, je sais. Tu veux pouvoir tirer la meilleure partie des minerais que tu trouves, tu auras besoin d'une fournaise. Ça veut dire que j'ai des plans de construction supplémentaires. Tiens, ils sont pour toi. Fournaise te permet de faire fondre des lingots de métal. Les lingots de métal peuvent être utilisés pour l'artisanat, la construction et l'amélioration des outils. Lorsque tu auras obtenu quelques lingots de cuivre, passe me voir pour que je puisse améliorer l'un de tes outils. Ça facilitera beaucoup ton travail.
rentre chez moi, prends soin de toi. Ouais, du coup, Callisto, bah, c'est normal, je pense que quand on est pris dans le tourbillon de la vie, je ne t'en veux pas, t'inquiète pas. Je vois que tu as exploré la vieille mine, tu as l'esprit d'un aventurier, tu peux tuer 10 slimes, tu auras ta place dans ma guilde d'aventuriers. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Robin. Je sais qu'il y a eu beaucoup. Il y a beaucoup de pierres éparpillées autour de ta ferme. Si tu en as trop, je peux éventuellement te construire un puits. Tu peux disposer des puits tout autour de ta ferme, c'est pratique pour remplir ton arrosoir. Oui, mais 1000 PO, tu crois que je suis riche là ou quoi? J'étais riche, sérieux quoi. Bon, je vais pas retourner aujourd'hui à la mine. Par contre. On va d'abord tout de suite. J'aime ce bordel. On va arroser tout le monde. Vite. Le chachou, je crois qu'il vit sa meilleure vie par contre. Là, si nous on n'est pas en vacances, lui je pense que c'est ok. Je pense que par contre, plus ça se passe bien quoi. Je suis un peu jalouse, j'avoue. On va mettre ça. Et on va aller voir Gunther. Et qui c'est qui voulait le minerai? C'était pas Gunther d'ailleurs? Forger. Forger. Ah merde, mais je l'ai plus la quête. Non, j'ai plus la quête. Et la fournaise, il faut de la pierre et du minerai de cuivre. Ben let's go alors. On va pas récupérer le cuivre pour rien. La fournaise, on va la mettre ici pour l'instant. Et c'est quoi déjà? On met... nécessite un charbon. Ah oui, c'est le charbon qu'il fallait. Je savais bien qu'il y avait un truc. Voilà, ok. Je vais pas avoir besoin, non. Je les garde. Ça se tasse un peu du coup, Callisto, ou t'es toujours dans le jus? Dans le jus. On va aller voir Gunther. On va revérifier le calendrier parce que je me demande s'il n'y a pas des anniversaires cette semaine-là. Je me souviens plus. On va checker. Alors, ça dit quoi? T'as dit l'anniversaire de Vincent, la fête des œufs et l'anniversaire de Hayley. Quand en train de coder là, si ça peut répondre à ta question, MG. Oui, ok, je situe. L'avantage des fois, enfin après, je sais pas, mais moi je sais que j'arrive à bosser avec des streamers. J'aime bien, ça me fait une ambiance. Après, du coup, je participe pas beaucoup hein, parce que quand t'es en train de taffer, tu peux pas t'arrêter toutes les deux secondes pour parler dans le chat. Mais c'est ma petite ambiance. Je cherche quelqu'un pour m'apporter 20 unités de minerai de cuivre. Vous faites ma gueule? Sérieux quoi? Je suis deg. Je les avais, je suis deg. Je me suis fait baiser. Voilà. On va aller voir lui. Péter la géode. Vas-y, pète la géode, donne tout. Voilà, on a plein de trucs à donner en plus pour le musée maintenant. Je viens de voir l'heure, 23h14. Bonnes quoi.
goodness. Encore en train de coder à cette heure-ci. Quel courage. Tout le reste, je pourrais vendre. Il va bien me faire un cadeau, là. Voilà. Ah, les graines de choux. Ça, c'est utile, les graines de choux-fleur. Ça, c'est complètement utile. Il est quelle heure? 9h40. Utiliser, ouais, c'est en train. La pêche, les poissons lunes, il faut que je vérifie où c'est qu'on les trouve, les poissons lunes. Poissons lunes. Poisson lune, rivière, entre 16 et 19 heures. Et il faut qu'il fasse beau, donc on est plutôt pas mal. J'ai dit quoi comme heure? Entre 6 et 19, ok. Et rivière. Donc, poisson lune, si je m'en mets en QWERTY, ça marche mieux. Et rivière plutôt par là, quoi. Merde, si j'essaie de pêcher dans le dans la terre, ça a moins bien marché. Un poisson lune, il m'en faut combien? Bah, 10 pas. Je pense qu'en plus c'est le dernier jour pour faire cette quête. Bah écoute, j'ai pas lu tout parce que je voulais pas tout me spoiler. Si tu fais un point d'exclamation mage, ça t'envoie là, vers l'article de mon blog où j'ai détaillé la version sans spoilers des nouveautés. Et après, il y a encore plus de trucs. T'as le, si tu t'en fous de faire spoiler, t'as le changelog. J'ai mis le lien où tu vois, il y a des pages à l'infini d'amélioration. Et là, moi, j'ai pris la nouvelle carte. C'est pour ça que j'ai refait une nouvelle partie. Et j'ai pris la nouvelle ferme parce que du coup, il y a une nouvelle ferme sur la plage. Et il y a une nouvelle zone aussi, si jamais tu es plus avancé, t'as accès à une nouvelle zone. Mais bon, moi je voulais faire la nouvelle ferme, du coup j'ai tout repris depuis le début. C'est dingue. Ouais, t'as vu, je fais ça bien. Moi j'ai un problème capillaire là. Pêche. Retournez voir Willy. C'est vrai que c'était Willy qui m'avait demandé ça. Willy. Mais ouais, du coup, il a dit Pumpoy là qui a fait le jeu. Et je pense qu'il a raison. Il a dit c'est la plus grosse mage qu'il ait jamais sortie sur le jeu. Et en effet, il y a quand même beaucoup de choses, quoi. Attends. C'est Kato. Non, mais pas comme ça. Ah, non, mais toujours pas. Non. Comme ça. J'avais problème de kick. Voilà. Merci pour la récompense. Qu'est-ce qu'il m'a filé? 90 PO. J'ai pu garder le poisson. Je vais pouvoir le vendre. Ça, c'est bien. Et d'ailleurs, lui, il veut pas mes poissons. Ça te fait. Et alors, les cannes à pêche. Non, mais il faut pas que j'achète des cannes à pêche. Hop, 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 hop. Le sac à dos. On vend ça. Les algues, il faut qu'on garde. On va aller récupérer les trucs là-bas. On va aller planter le chou-fleur. Et je pense que demain, on pourra acheter le sac à dos. On passe la nuit, je pense que c'est ok pour le sac à dos. On va voir. Thank you.
Allez, Micheline, donne tout. Ah, il faut aller voir le sorcier dans sa tour. Putain, je l'ai oublié, lui. J'ai oublié. On vend ça. Non, pas tout. Un seul. Je garde. Ça, il faut qu'on plante. Ça va nous faire valider la quête. Ah, ça l'a validé sans rien faire d'extraordinaire, ça. Ok. On met ça. On va planter ça. On est en train de mélanger des choux-fleurs avec des patates. J'annonce. Tout va bien. Merde. Je veux... ceci, s'il vous plaît. Après, quand j'aurai suffisamment de lingots, il faudra que j'aille faire améliorer des trucs. Au forgeron. Ça nous rendra la vie plus simple. On va... au sorcier. Qu'est-ce que c'est qui me gêne ? Je sais pas qu'est-ce que c'est. Alors du coup, je suis perdue. Là, c'est l'emplacement de la serre. Et donc le sorcier, il est par où ? Oui, il faut que je descende et que j'aille à gauche. Ça va être un truc comme ça. Oh, trop bien ! C'est du réfort. Ça, normalement, de mon souvenir, le réfort, ouais, ça donne de l'énergie et tout, c'est cool. Une moule. Mais merde, pas du tout. Je peux pas passer par là. C'est un shit. But no. Normalement, j'avais un accès par ici. Par là. Voilà. Ah, donc j'ai un petit ponton. Je sais pas du coup si je peux pêcher aussi bien que dans la rivière et tout. On va vérifier ça. Voilà. Oh, le sorcier. Pichour. Allez, let's go, le sorcier. Il m'a dit quoi, le sorcier ? Il disait. On va peut-être du coup éviter de skip ce qu'il me raconte, vu que... Oh merde, je suis con. Il m'a filé une quête ou pas ? Ça, c'est les minerais. Ça, c'est les slimes. Dans la mine, l'élevage d'animaux et les présentations. Oh, j'ai fait ma courge, là. Hein. Oh, la courgette, quoi. C'est là, les chapeaux, non ? C'est fermé, voilà. Ouais. Non, c'est pas là, les chapeaux. Chapeau. Ouais, les chapeaux. Les papeaux. Attends, j'ai parlé à tout le monde ici. Après, à la fête des œufs. À la fête des œufs, je pourrais parler à tout le monde. Est-ce que on avait dit qu'il y avait mercredi l'anniversaire de Vincent, vendredi les œufs, c'est ça hein. Et dimanche, il y a un autre anniversaire, non ? J'ai dit. Oh là 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 là. C'est la fin des haricots. Attendez, je recherche la maison. Tu sais qu'il y avait quelque chose quelque part. On va acheter des trucs. Ça, c'est les égouts. Ici, c'est un spot fou de fruits sauvages, là. On tient les fruits.
Il est 19h, on va rentrer à la maison. On va poser tout ça. On a tout mis ce qu'il fallait à vendre. Pas mal. Non, mais Gertrude. Un petit peu en attendant. On fait le ménage. Un petit peu. Un tel dawa ici. C'est dommage d'aller se coucher avec toute cette énergie, quoi. Ça m'angoisse d'aller me coucher avec autant de... d'énergie, quoi. Oh là, qu'est-ce que c'est ? Petit oiseau. Mais Chachou, tu veux pas rentrer pour aller au lit ? C'est quand même plus agréable de dormir. Enfin, tu t'en fous, en fait. T'es un chat. T'en bats les steaks. Ah bon ? J'ai pas ma hache. J'ai laissé dans le... dans le coffre. La moule. On va vendre la moule. Et ben oui, c'était là. Dodo. On s'y fait un peu de sous. Ce qu'il faut pour acheter le sac, mais il faut pas quand même trop se précipiter et avoir un petit pécule. Ouais, si j'ai quand même un petit peu d'argent. Et normalement, j'ai mes pommes de terre et tout qui devraient pas tarder. On est mardi. Alors, attends. On va d'abord arroser tout ce petit. Oh, mais flûte! Là. Bah, par contre, ça, ouais. Ça va pas le faire. Non. Là. Voilà. On va poser l'arrosoir, on en a pas besoin. Alors. Lui, il me saoule avec ses minerais. C'est cool, ça me ferait des sous, mais je voulais pas aller tout de suite à la mine. Côté, attends, je vais regarder ce que me dit Père Chazal. Les esprits sont d'humeur normale. Bon, allez, let's go. Parce qu'on a deux quêtes à faire dans la mine. Attends, pas manger. Mais j'ai rien à manger en fait. J'ai ça. Le réfort. Ça, quand même. Ça. Et en chemin, on va prendre le sac à dos. On va la jouer comme ça. Et on va aller à la mine. Ça, je prends pas. Ça m'apporterait juste.
Elle peut se vendre, mais pour l'instant, j'en ai pas besoin. On fera peut-être au retour si on a le temps. Oh, il y a une nouvelle quête partout. Anguille, on verra hein, si on a le temps de pêcher. Et on revérifie le calendrier. On a dit demain, Vincent, samedi, la fête des œufs, samedi. 9h, ça ouvre. Shit. En attendant. Ah, nothing at all. Hein. Nothing, nothing. Allez, sac à dos. Let's go. Pour aller à la mine, là, ça va nous sortir... moulte galère. On va tout ramener cette fois. Là. Let's go. Bon, par contre, on est pauvre. Hein. Faut qu'on ramène vraiment des trucs. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait lui. J'avais oublié. Je lui parle. Je lui parle. Bonjour. Voilà. Normalement, ça fait 24. Ah. Donc, encore 4 personnes. Il n'y a pas lui. Bah non, lui, je lui ai parlé. Mais il n'y a pas quelqu'un avec lui. Oh, purée. La meuf qui se décide pas, quoi. Mais. Prends une décision. Hop, let's go. Ah non! Fuck. C'est les moumouches. Comme dans la vie, elles sont chiantes. Ah non, ouais, on commençait pas. Donc on a dit qu'il nous fallait 22 cuivres. On a combien de temps pour collecter ça? Un jour, tu vas voir que je vais pas finir à temps et que du coup elle va encore tomber à l'eau cette quête. Ah, quoi avec un peu de chance. Mais Michel, arrête. Oh, mais c'est pas gentil là-haut. Oh, fort peu aimable. Même. À préciser. Sorti là aussi. À prioriser le cuivre pour essayer de finir la quête.
Ah non. Allez là. Ouais, c'est pas fou. Hein. Un peu mieux, mais c'est pas fou non plus. Il y a plus beaucoup de cuivre là, ça m'arrange pas. 13. J'en ai 13, il m'en faut 20, je rappelle. Ouais. Ah là, il y en a. Et puis en plus, on a le slime aussi. Combien on a dit? Ah voilà, 10, il faut. Oh les bâtards! Allez, 19. Le slime, c'est fait. 16h30, putain, ça va être chaud pour finir la quête, mais il faudra que je garde mes... au pire, mes 20, j'ai l'impression qu'ils vont me la reproposer, celle-là. Yes, 20. Je suis combien? 14. Putain, il aurait fallu que je descende à 15 quand même. Pour de débloquer l'ascenseur. Oui, j'ai fail, c'est bon. Ne jugez pas. Je sais. Ok. Pas de scout. Parons-nous. Alors. Entrer dans la guilde de machin, c'est là. Est-ce que c'est ouvert? C'est ouvert, il y a lui à qui je parle, voilà. Ça va me faire des appâts et le slime, je me souviens plus à quoi ça sert. C'est des trucs qu'on loue souvent aussi. C'est fait là, je suis. Voilà, tout est ok. Donc j'ai juste la collecte et. Il fallait les emmener à qui? À Clint. Et je pense que 18h30, il est fermé. Je pense que c'est loupé. J'ai bien peur que ce soit loupé pour... Ah non! Si je me plante sur les cailloux. Allez, vite fait au centre communautaire. Ah voilà, ça y est. Et donc du coup, j'ai pris les paquets remixés. Ah, super, récompense, réparation du pont. J'ai déjà fait. Donc du coup... ah oui. Hiver, exotique, été. Donc là, réfort, j'aurais dû garder poireaux, pissenlits, oignons, j'ai pas non plus...
Et ça, c'est toutes les saisons de toute façon. Okay. Il faut que je retrouve un réfort. C'est la merde. J'aurais dû prendre le chemin d'en haut. On va pas des trucs. Alors, j'ai encore le temps. Encore le time. Est-ce que je vais mettre ça? Ah. J'ai envie de tout garder parce que tout est utile, mais il nous faut des sous, quoi. Non, mais je voulais... Ce fail, je voulais faire... Mais je voulais pas m'asseoir, mais pourquoi pas. Je voulais faire un petit caresse au chachou, mais il veut plus, je crois. C'est parce qu'il fait dodo. Il veut plus me faire de caresse. Tadou. Le tadou. Ah mais oui, du coup, j'ai... steak d'insectes. Putain, je me souviens pas qu'on pouvait faire des steaks d'insectes. Incroyable. Bon allez, je vais arrêter là pour ce soir parce que alors, sinon... Oh non, j'ai des pommes de terre. Oh non, 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 arrête-toi. T'as sauvegardé de toute façon. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Alors, on a vu quelques petites nouveautés du coup et puis cette nouvelle map. Ah, ça m'a trop donné envie d'y rejouer. Je sens qu'on va y repasser encore des heures à l'infini. Il va falloir que je commence à regarder le calendrier des sorties de l'année prochaine, voir si je vais réussir au milieu de tout ce bazar à caler du Stardew, quoi. Oh, avec plaisir, Callisto. Avec grand, grand plaisir. Du coup, demain soir, c'est soirée... soirée... before le Noël. On fait la petite fête, on s'éclate. Normalement, c'est un feat avec Sebia. Et on fera en fait notre traditionnelle soirée multi ce soir-là, sous le signe de Noël. Parce que après, je prends une petite pause jusqu'à lundi. Petite la pause. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Je remets le lien du Discord. Et je suis en QWERTY, donc ça marche très mal, forcément. Et des réseaux sociaux. Plein de bisous, ça va être une bonne nuit, bon courage pour demain et à demain soir. Merci pour les follow et merci pour tout. Bonne nuit.